Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à la suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il demandera à chacun selon sa conduite. De la mission du Christ, à travers ce qu'il annonce précisément, qu'il annoncera
prêcher avec le pouvoir d'expulser les démons, qui s'achèvera en effet dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le fondement même de notre foi, le kérigme, la proclamation par excellence de l'Évangile depuis 2000 ans à toute la création. Elle fait suite à cette première grande partie qui s'est achevée avec l'Évangile que nous avons entendu dimanche dernier, de la profession de foi de Simon Pierre à Césarée de Philippe, à la question de Jésus sur son identité. Pour vous, qui suis-je? Et qui venait conclure cette partie toute de révélation, où Jésus, à travers une prédication qui a soulevé l'enthousiasme des foules de Galilée, à travers les signes qui accompagnaient sa parole, qui étaient les miracles, à profusion, il a montré la puissance de l'amour de Dieu à l'œuvre dans notre histoire, dans l'histoire des hommes, qui s'est achevé par cette profession de foi, où Simon Pierre, en un éclair, a saisi le mystère profond de l'identité de Jésus. Il n'est pas seulement un homme, comme le pensaient ses compatriotes, mais n'est-il pas le charpentier de Nazareth? Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? La vie. Pas seulement un prophète, quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, comme l'ont perçu les foules. Que disent les gens de moi? Dit Jésus à ses douze qu'il a pris à part en Haute-Galilée, au pied du mont Hermon, là où le Jourdain prend sa source. Ils disent que tu es un prophète, peut-être Jérémie, que nous avons évoqué dans la première lecture, Jean-Baptiste qui serait revenu. Et pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus qui confirme cette révélation que le Père seul pouvait faire à Simon Pierre à travers l'illumination de son intelligence et de son cœur par le don de l'Esprit Saint. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Vous voyez que c'est déjà une confirmation à la sémitique. De même que tu es le fils de Jonas, par nature, je suis en effet le Fils du Dieu vivant, par nature, et de le confirmer encore en disant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce n'est pas accessible à l'évidence sensible, tu n'as vu en moi qu'un homme comme tous les autres hommes, ni la conclusion certaine d'un raisonnement imparable, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Il a fallu que Pierre soit disposé à cet acte de foi qui atteint le mystère de l'identité même de Jésus. Il est le Fils du Dieu vivant, le Messie, celui qui accomplit cette figure si importante dans l'Ancien Testament, du roi Messie que les prophètes ont annoncé et qui devait venir sur la terre pour rétablir les droits de Dieu, pour rétablir l'alliance de Dieu avec son peuple qui a été brisé par nos infidélités, que l'on appelle le péché. Et voilà que dans cette deuxième partie, où Jésus commence à monter à Jérusalem, qui va s'achever dans le dénouement même de ce pourquoi il est venu dans le monde, il commence à annoncer à ses apôtres qu'il lui faut monter à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens et des scribes. Être tué, mourir, être crucifié, dit une autre leçon de l'Évangile. Et le troisième jour, ressuscité par l'échec de la mort sur la croix, pour ressusciter et entrer dans la gloire. Car c'est vrai qu'il incarne parfaitement la figure du roi Messie à travers sa glorification, sa victoire, dans le mystère de sa résurrection qu'il annonce. Mais il faut qu'il accomplisse avant tout la figure du serviteur souffrant de Yahvé, annoncé par le prophète Isaïe. Car c'est à travers un sacrifice d'expiation pour le péché,
que Jésus rétablira l'alliance brisée entre Dieu et l'humanité. Il faut, c'est la volonté du Père, non pas pour se venger du péché de l'homme sur son Fils, mais pour manifester son amour pour les hommes pécheurs que nous sommes, en sacrifiant son égal, son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son amour et ses librement, comme nous le disons dans la deuxième prière eucharistique, qu'il entrera dans sa passion pour nous sauver. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à comprendre que non seulement Jésus nous a sauvés, a rétabli l'alliance, a fait de nous son peuple, a acquis de haute lutte à travers le sacrifice de Jésus, mais il nous invite à y participer. Il nous invite à communier partout nous-mêmes, par toute notre vie, à ce sacrifice. C'est bien ce que nous dit Saint Paul dans la seconde lecture que nous avons entendue. Je vous exhorte, frère, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, à lui offrir votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Et nous ne pouvons pas faire l'offrande de notre personne pour qu'elle soit agréée par Dieu sans passer par le sacrifice unique de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a voulu instituer le mémorial de sa passion, de sa mort et de sa résurrection en instituant l'Eucharistie. C'est là qu'il constitue son peuple, qu'il fait de nous son corps, non seulement racheté mais même réconcilié, mais devenant avec lui un peuple sacerdotal, par notre offrande unie à la sienne, par notre communion à son sacrifice célébré sur l'autel. Nous participons à la rédemption du monde et nous faisons en sorte que tous les hommes puissent entendre l'Évangile et entrer dans cette alliance nouvelle et éternelle que le Seigneur Jésus a établie dans son propre sang. Vous avez compris où je voulais en venir. Pourquoi nous construisons des églises? Pourquoi c'était si important pour nous de rouvrir cette église Saint-Martin où, depuis des siècles, tant de fidèles se sont sanctifiés? L'église, édifice de culte chrétien, a été instituée pour accueillir l'autel où est perpétré le sacrifice du Christ, par lequel il nous faut passer pour entrer avec Jésus à travers notre vie d'épreuve, à travers les souffrances, les incompréhensions de notre vie, les croix que Dieu plante dans notre existence sans que nous l'ayons désiré, pour entrer en communion avec son offrande et l'agrément du Père, sa victoire, sa résurrection, son entrée dans la gloire. Jésus dans l'Eucharistie est tout entier présent, comme agneau immolé et comme ressuscité, qui nous fait déjà participer malgré nos épreuves, malgré nos souffrances que nous voulons unir à la sienne, de cette victoire de ressuscité, prémisse de la gloire future pour laquelle nous sommes faits. Que nous soignons nos édifices de culte, que nous en ayons un vrai souci. Ce ne sont pas seulement des édifices culturels qui appartiennent à un patrimoine culturel dont nous admirons la beauté de l'architecture, mais c'est le lieu où le sacrifice de Christ est perpétré dans chaque Eucharistie pour que nous puissions entrer dans l'alliance avec Dieu et être des instruments de cette alliance pour les hommes de notre temps à travers l'annonce de l'Évangile à temps et à contre-temps, à travers la disponibilité, le service, l'amour de notre prochain, jusqu'à donner notre vie pour nos frères. Demandons la grâce de ressaisir l'importance de nos édifices de culte,
véritable joie. Donne à notre communauté le désir de rester en communion fraternelle par la prière et la bienveillance. En ce jour, nous te confions nos frères chrétiens persécutés à cause de leur foi. Qu'ils gardent la force dans les épreuves et restent fidèles à l'Évangile grâce à la prière incessante de toute l'Église.
Yes.
ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur sera seul devant.